Alors, je pense qu'on peut commencer avec quelques petites questions à MSC, Greg, si tu n'es pas trop fatigué par le voyage. Ça va. Bien. Je commencerai par. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre part tout de suite. Oui? On ne sait rien pour les passeurs. On ne sait pas qui a conduit le bateau, si les passeurs ont été arrêtés. Il y a des choses qui nous manquent dans l'histoire du pays. Le premier bateau, quand ils sont en mer, les passeurs. Il n'y a pas de passeurs dans les bateaux. Les bateaux sont donnés à les migrants voyagent sans les passeurs. Il y a la rhétorique sur les passeurs, sur les trafiquants, c'est une histoire qui est un peu complexe, compliqué de l'affronter, mais c'est bien de parler un peu de ça, parce que la rhétorique européenne sur les trafiquants de tête humaine, que nous devons lutter contre le trafic d'êtres humains, de l'organisation criminelle qui va gérer les voyages. Alors ça, c'est... Alors, il y a vraiment quelqu'un qui prend de l'argent et qui devient riche avec le voyage humain. Mais c'est complètement autre chose, le trafic d'êtres humains. Alors, le trafic d'êtres humains, la définition officielle, c'est quand l'être humain qui est trafiqué est obligé à faire un voyage qu'il ne veut pas. Alors, qui vient amener danger à l'autre lieu pour être vendu, peut être vendu dans les marchés de prostitution, dans les marchés d'esclavage, dans des lieux où la liberté n'est pas comme. Il n'y a pas de liberté, il est obligé à faire des choses que le trafiquant a déjà prévues pour sa vie. Le migrant qui voyage parce qu'il y a le besoin ou le désir aussi de voyager, mais ils n'ont pas les documents officiels pour faire le voyage régulièrement, ils vont voyager sans le permis et utilisant des organisations qui donnent lui la possibilité de faire le voyage. Ben, c'est la choix de faire le voyage, c'est aux migrants. Alors, ils ne sont pas trafiqués. C'est des migrants qui font le voyage d'une manière complètement dangereuse et complètement risqueuse, mais pas à cause de trafiquants, mais à cause du fait qu'ils n'ont pas le permis de faire le voyage d'une autre manière. Alors, les vrais trafiquants sont les pays qui n'ont pas le permis pour faire le voyage. Ce ne sont pas les trafiquants. Mais les pays qui n'ont pas le permis pour faire le voyage, on construit une rhétorique, et ça marche très bien, qui est la rhétorique contre les trafiquants. Comme c'est la faute de ce type de voyage les coupables sont les trafiquants. Les coupables sont et l'absence de permis pour faire des voyages qui sont nécessaires pour la plusieurs parties de personnes qui n'ont pas l'autorisation en fait, des voyages qui sont nécessaires parce que ce sont des voyages qui, quand les Érythréens, les Somaliens arrivent à Lampedusa ou dans l'Italie, et s'ils arrivent, parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de gens qui meurent pendant les voyages, ils ont le droit de faire la demande d'asile et les 98% de Somaliens et Érythréens qui font le demande d'asile vont obtenir aussi le statut de réfugié. Alors, pourquoi? Pour faire demande d'asile et pour avoir la protection humanitaire, et il doit voyager comme ça. Parce que les mêmes pays européens qui vont donner la protection humanitaire s'il arrive, sont les mêmes qui ne donnent pas l'autorisation à faire le voyage. Alors, pour faire le voyage, tu dois faire le voyage comme ça. Alors, c'est la faute, c'est où? C'est la même chose qui est en train de passer avec les Syriens maintenant. Les Syriens qui sont en train de fuir de la Syrie. Et nous savons très bien pourquoi, non? Nous savons très bien les raisons de voyage. Et parce qu'il y a une guerre civile et tout le monde connaît qu'il y a une guerre civile. Mais les Syriens, c'est comment qu'ils arrivent en Europe? C'est à travers le voyage de l'Égypte ou de la Libye avec les mêmes bateaux et jusqu'à la Sicile ou jusqu'à la Calabrie.
mais les voyages sont très dangereux, complètement dangereux. Il y a beaucoup de gens qui meurent pendant les voyages et sont très chers. Et les Syriens qui viennent en Europe pour demander l'asile, parce qu'ils ont le droit de demander l'asile, parce qu'il y a une guerre civile dans le pays où ils habitaient, font le voyage payant les trafiquants d'êtres humains, qui nous définissons les trafiquants d'êtres humains. Mais si tu parles avec les réfugiés qui sont en train de fuir, ils disent que, oui, voilà, peut-être lui n'est pas très une belle personne, mais il m'a donné la possibilité de voyager. Alors, moi, je voulais poser une question, disons, sur les conditions de tournage. C'est-à-dire comment ça s'est passé, le tournage. On voit bien qu'ils sont dans un camp de la Croix-Rouge, en Tunisie, des Nations Unies. Et comment tu les as contactés, comment ça s'est passé, le tournage. Et puis, quelles sont les conditions de vie de ces gens dans ces camps? Le camp où on a réalisé le film, était un camp temporaire de protection pour les réfugiés qui sont en train de fuir de la guerre civile de Libye. Et maintenant, il y a encore ce camp-là, mais c'est très petit la quantité de personnes qui sont encore là. Et beaucoup ont été protégés dans des projets de resettlement, principalement en français, surtout. Il y a des projets de récolocation. Et les réfugiés qui font la demande d'avoir protection dans des pays, pas seulement européens, mais du monde, et amener du camp des Nations Unies jusqu'à les pays qui ont fait ces projets. Mais les projets de resettlement, de colocation sont des protections. Et chaque année, sont moins et moins. Et alors beaucoup de gens qui étaient protégés dans les camps des Nations Unies sont partis encore avec le bateau après. Et oui, ça c'est notre histoire. Et alors, les films que vous avez voir, c'est un film qui arrive après à peu près 5 ans du travail sur ce thème et avec mon association Zalab avec Stéphane Oliver, qui est un journaliste qui a travaillé beaucoup sur la migration de l'Afrique vers l'Europe, qui a voyagé beaucoup en Afrique avec les migrants, et avec aussi des autres collègues journalistes et réalisateurs. On peut dire que nous sommes un peu un network de journalistes, réalisateurs, d'activistes sociaux et culturels qui travaillent sur ce thème depuis 5-6 ans. Et bien sûr, pendant ce travail, sont beaucoup les relations qu'on a construites avec les communautés indiennes, somaliennes, éthiopiennes, et aussi des autres communautés, pas seulement des Africains, aussi des autres nationalités. Et alors, quand la guerre civile en Libye a éclaté, et on a contacté des amis érythréens, somaliens, qui étaient en Libye, et ils ont nous dit qu'ils étaient en train de fuir vers la Tunisie. Et nous savions déjà que les gens avaient le film, le petit vidéo sur le voyage, et qui pouvaient raconter l'histoire de refoulement, qui était une histoire complètement censurée par le gouvernement italien. Et il n'y avait jamais un témoignage sur quelqu'un qui était refoulé de l'Italie. Et dans les bateaux de la marine militaire, bien sûr, il n'y avait pas de journalistes. Non, bien sûr, c'est pas normal dans une démocratie, mais dans ce cas-là, c'était comme ça. Et alors, il y avait personne qui avait raconté l'histoire de refoulement jusqu'à ce moment-là. Mais nous savions nous avions déjà le contact avec le témoignage avant d'aller à le rencontrer dans les camps des Nations Unies à la fin
frontière entre Libye et Tunisie. Et alors, c'était quand ils sont arrivés dans ce camp-là qui c'était possible de le raconter, de filmer le témoignage. Parce qu'avant, quand elle était en Libye, il n'y avait pas la possibilité de le faire parce qu'en Libye, les contrôles de leur régime dictatorial, c'était très dur, surtout sur cette thématique-là. Et alors, ce n'était pas possible de le rejoindre en Libye et de faire l'interview là-bas. C'était quand ils sont fuis de la Libye qu'on a eu la possibilité de la rencontrer. Nous sommes arrivés dans le camp et là-bas, on a organisé une grande réunion avec eux. Et on n'a pas demandé aucune autorisation officielle à l'Union. On a simplement dit, nous sommes là avec des amis, et parce qu'on avait déjà les contacts. On ne voulait pas avoir la collaboration officielle avec le gérant de le camp, parce que si tu as la collaboration officielle avec le gérant de le camp, les immigrants ne vont pas faire un travail collaboratif avec toi, mais ils vont te considérer une journaliste institutionnelle de ces Nations Unies, et alors il n'y a pas de racontes réelles, mais il y a seulement les racontes institutionnelles qui sont les racontes qui vont normalement donner à les journalistes et à les organisations humanitaires. Alors on a simplement dit, on a appelé le gérant, le directeur de le camp, et on a dit on vient là, mais on n'a pas besoin d'aide, on a déjà les contacts, il n'y a pas besoin. On a simplement besoin d'avoir l'autorisation d'être dans les camps. Et elle était très contente parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui étaient en train de demander la collaboration des Nations Unies pour faire des interviews. Et lui, il m'a dit, ah vraiment, vous pouvez faire tout seul. Oui, on fait tout seul. Ah, alors ça va très bien. Et on était là 10 jours, on a fait une réunion avec les migrants avec qui on était déjà en contact. Et on a choisi avec lui le témoignage plus important et plus intéressant pour construire les vies. Je ne sais pas s'il y a des questions. De la Cour sont jamais des sentences économiques, mais sont des sentences qui jouent un rôle historique et on peut dire moral pour la communauté européenne. Alors il n'y a pas une relation avec la quantité économique. D'autres questions? C'est plus une remarque qu'une question, mais je pense que bon, on voit bien que l'Italie là, a joué, comme ayant joué un rôle extrêmement négatif dans cette affaire, mais à l'époque, je pense que beaucoup de pays européens auraient réagi de la même manière. Et l'Italie avait un peu bon dos de constituer le premier filtre de l'immigration africaine. On connaît bien les rapports politiques qu'il y avait entre la France et Kadhafi à la même époque. Enfin, c'était, je pense qu'il y avait une certaine hypocrisie autour de ça et que le gouvernement italien était quelque part cautionné par d'autres partenaires en Europe. Je ne sais pas si vous avez pu
croisé des migrants qui avaient essayé d'entrer en Europe par d'autres canaux, par Gibraltar, ou directement vers la France, dans les camps, vous en avez rencontré. Je suis complètement d'accord. On peut dire que Berlusconi et Maroni ont joué un peu plus. Comment si tu peux, un giocato sporco. Il est un peu plus méchant. Un peu plus méchant et dans le même temps un peu plus explicite. Et on peut dire aussi qu'il y a une gravité qui est liée spécialement à la situation de Libye. Parce que la gravité de ce refoulement est liée aussi au fait qu'on savait très bien, moi aussi je faisais un film sur ça avant ce film-là qui s'appelle Comme un homme sur la terre, mais pas seulement mon film, mais aussi des autres dossiers, des autres reportages avaient très bien documenté que la condition des migrants en Libye était terrible. La condition de détention dans les camps, la torture, il y avait beaucoup de violence et c'était très évident, très clair. Il y avait des dossiers de Human Rights Watch, d'Amnesty International. C'était vraiment, le gouvernement italien ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Alors c'était clair ça. Alors le réfugiement vers un pays où les conditions sont tellement terribles, c'est plus grave des autres réfugiements. Mais je suis d'accord avec toi que le réfugiement géré par Berlusconi et Maroni sont dans un cadre général européen où la collaboration avec les pays, on l'appelle les pays transfrontalières, les pays tiers, pour bloquer le flux de migration est une collaboration qui est vraiment, on peut dire, à la limite de la démocratie, on peut dire aussi, dehors de la limite. Parce qu'on donne le pouvoir et on donne aussi l'argent à la police du pays qui ne sont pas européennes pour faire les choses que la police italienne et européenne ne peut pas faire. Hein. Alors, Gheddafi avait assuré qu'il va fermer avec les méthodes et les manières qu'il savait le migrant africain. Et comme ça marche aussi avec l'Ukraine, la Biélorussie. Par exemple, est-ce que vous avez noté qu'il n'y a personne qui parle plus de, comment s'appelle, Loukachenko, non? Le dictateur de la Biélorussie. Hein? Et la Biélorussie, c'est une dictature d'origine post-soviétique qui est dans le cœur d'Europe. Et là, il y a personne qui parle de ça. Et les raisons sont c'est une raison connectée avec le gaz qui voyage de la Russie vers le bas. L'autre, c'est que la Biélorussie est en train de collaborer très fortement avec la Pologne, l'Allemagne et l'Hongrie pour bloquer les migrants. Mais les conditions avec lesquelles la police biélorusse est en train de le faire sont des conditions terribles. Et voilà, ça c'est la manière avec laquelle l'Europe est en train de gérer ces questions. Et pour ça, on était très contents, c'était bien le choix qu'Amnesty International avait fait avec ce film-là qui était sous-titré dans 25 langues européennes, était montré dans l'année 2012 jusqu'à 2013 dans beaucoup de pays dans le cadre d'une campagne sociale contre la violence du contrôle de la frontière par la police européenne et par la police pas européenne qui ont une collaboration avec l'Europe. C'est juste pour donner une petite précision dans le sens de ce que vous dites sur le rôle des pays européens et signaler quand même l'agence Frontex qui est quand même cette agence mise en place par l'Europe
et qui regroupe un petit peu toutes ces actions à la fois auprès des États tiers, dans le sauvetage, soi-disant sauvetage des morts en mer. Je pense qu'il y a là un véritable problème, mais actuellement, je pense que même le Parlement, en tout cas beaucoup d'ONG, dénonce cette action de l'agence Frontex. Ça, si tu veux répondre. Ah, je voulais aussi donner la. Oui, voilà, je vais donner. Voilà. Pétition sur Frontex. Oui, juste une chose, je voudrais juste ajouter une chose. Dernière question qui me paraît très importante. Dans une interview, je crois, à Terre Libre, tu as déclaré, tu as évoqué ce projet de réaliser, cette nécessité de réaliser des couloirs humanitaires pour les migrants. Donc je voudrais que tu nous expliques un peu ce projet, si c'est un projet et qui devrait le réaliser. Alors, sur le geste Frontex, c'est la digression de la création. La direction dans laquelle l'agent Frontex a été créé est exactement la direction de concentrer l'effort sur la question immigration seulement vers la direction sécuritaire. Mais moi, j'ai étudié beaucoup l'agence Frontex. Il faut dire que ils ne font pas beaucoup de choses, l'agence Frontex. C'est un symbole. Sont beaucoup plus les choses qui sont faites directement dans la police nationale. Beaucoup plus. Et l'agence Frontex est un symbole qui veut être montré pour souligner l'effort de l'Europe contre l'immigration clandestine. Et ça marche toujours. La chasse Frontex peut agir seulement s'il y a une police nationale qui demande l'intervention de la chasse Frontex. Et vont donner d'aide et de support à la police nationale. Alors, moi je suis d'accord qu'il faut avoir attention sur le travail de l'agence Frontex, mais il faut aussi dire clairement que c'est pas seulement l'agence Frontex le problème. Hein? Parce que si on move la critique seulement vers Frontex, il y a toutes les polices nationales qui peuvent faire des choses qu'on ne contrôle pas. Vous comprenez c'est pas ce que je dis. Mais les 90% de actions militaires contre l'immigration clandestine sont gérées directement par la police nationale, pas par Frontex. Et en collaboration bilatérale avec les polices qui ne sont pas européennes et qui ont des collaborations directes avec la police nationale. Et, par exemple, en Italie, maintenant, l'agence Frontex qui travaille avec la police italienne, vous savez sont combien les agents directement engagés par Frontex qui travaillent maintenant en Italie, sont 5. Hein, ce sont les agents italiens qui travaillent là, sont beaucoup plus. Et sur le corridor humanitaire, Marc, c'était une proposition, c'était une requête au public qu'on a fait en Italie avec beaucoup des associations du mouvement intellectuel. Parce que c'est clair, comme je disais avant, c'est clair que les personnes qui ont la nécessité de voyager, qui ont les droits de demander la protection humanitaire, il faudrait lui donner la possibilité de voyager en manière sécure. C'est la folie que c'est l'Europe qui donne les droits de demander la protection humanitaire pour arriver à demander la protection. Il faut risquer la vie. Non, ça, c'est vraiment la folie.
Mais les Syriens, les Érythréens, les Somaliens qui voyagent de l'Afrique vers l'Europe font le voyage d'une manière complètement dangereuse et en payant les organisations criminelles et le trafic. Alors la solution serait d'ouvrir la possibilité de demander la protection humanitaire avant de faire le voyage et faire le voyage de manière sécure. Alors la réponse était que dans ce moment d'ouvrir ce type de mécanisme, c'est très compliqué parce qu'en Libye la condition politique c'est très instable et c'est pas stable et en Égypte aussi. Mais alors l'autre réponse que je donne c'est comment qu'il est possible de faire des accords sur le pétrole et sur le gaz et pas des accords sur le minerai. Voilà, alors nous allons passer la parole aux autres invités. Hein. Simon, là, si tu veux les présenter. Très rapidement. D'abord, Mimmo Perotta, qui est CG de l'immigration en Italie, et ensuite, Romain Malandier, qui travaille au sein de la coopération paysanne et qui a réalisé depuis cette année, depuis plusieurs années, des contrats de recherche avec des jeunes dans le cadre de financements européens liés au service civil européen et à des programmes Leonardo, qui a permis à des jeunes français d'aller travailler en Italie, dans d'autres pays européens et aussi de l'Europe de l'Est et au Maroc, pour voir quelles sont les conditions dans l'agriculture, notamment des migrants. Merci à vous pour l'invitation, pour m'avoir invité. Et merci Simona, excusez-moi pour mon français, je vais essayer de dire quelque chose sur la migration en Italie. Mais je voudrais partir du fait que dans les derniers mois, l'Italie, la question de l'immigration en Italie, on était sous le garde de l'Europe et du monde entier pour trois questions. Et la première, c'est la tragédie de Lampedusa dans laquelle sont morts 350 migrants. Devant l'île de Lampedusa. Et la deuxième question a été, il y a deux semaines, la mort de 7 ouvriers chinois à Prato qui travaillaient dans une usine de vêtements et sont morts à cause de l'incendie, de l'incendie du bâtiment. Proche de l'usine où il travaillait. Et la troisième question, c'est la question qui est très strictement liée à la question des Africains qui arrivent de la Méditerranée, c'est la question du travail des ouvriers agricoles étrangers dans les campagnes du sud de l'Italie, qui est très connue depuis plusieurs années. Un autre documentaire d'Andrea Segre a montré la question qui s'appelle Il sangue verde, qui a été réalisé après la révolte de Rosarno en 2010. Et maintenant, la question est très connue en France aussi après l'enquête de la télévision française, Les Récoltes de la Honte, sur les conditions de travail des étrangers dans les puits. Et sur Lampedusa, je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que la mission est beaucoup plus connue. Je voudrais seulement ajouter à ce que André a dit, le fait que ce n'est pas seulement une question qui regarde les demandeurs d'asile, mais il y a beaucoup de migrants qui ne sont pas demandeurs d'asile et qui ne sont pas sûrs d'obtenir la protection humanitaire. Par exemple, les immigrés qui arrivent du Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest, ils font les mêmes routes. Ils risquent leur vie pas seulement dans la Méditerranée, mais beaucoup avant dans le désert. Et la question, après la tragédie de Lampedusa, la réponse des gouvernements italiens et européens a été on va contrôler plus strictement la Méditerranée, qui c'est précisément le moyen de créer d'autres tragédies dans la Méditerranée. Jusqu'à quand la Méditerranée sera fermée, on ira à la rhétorique de la Fortress Europe, on aura d'autres tragédies dans la Méditerranée, ça c'est sûr.
Et c'est précisément, comme André l'a déjà dit, c'est précisément la cause des tragédies, c'est la fermeture des frontières. Mais les deux autres questions sont intéressantes. Selon moi, la question des Chinois à Prato, la question des ouvriers agricoles dans le sud d'Italie, parce qu'ils ont montré une chose très clairement, selon moi. Et les morts chinois à Prato, on disait aujourd'hui avec Simona, ce ne sont pas des morts sur le travail. Ils ne sont pas morts après un accident de travail. Ils sont morts pendant la nuit, et ils dormaient dans un bâtiment lié à l'usine de travail. Ils sont morts pour la ségrégation liée qui est structurelle pour le marché du travail dans le secteur des usines de vêtements à Prato. Et la même chose, on peut voir la même chose avec les ouvriers agricoles étrangers dans le sud d'Italie, parce que les ouvriers agricoles dans le sud d'Italie, ils vivent pendant les ils sont ouvriers saisonniers qui suivent les récoltes, la récolte des tomates en puits et en Basilicata, la récolte des oranges dans l'hiver à Rosarno, la récolte des olives en Sicilie et d'autres travaux agricoles. Et pendant la saison de récolte, ils vivent dans des ghettos, dans des campements, des baraques qu'ils ont construits ou dans des bâtiments abandonnés dans les campagnes, proches des camps où ils vont, des champs où ils vont travailler. Et donc là aussi, il s'agit de ségrégation de main-d'œuvre qui vit dans des baraques abandonnées, dans des grands ghettos dans la province de Foggia, dans les Puglia. Il y a en place que les migrants africains francophones appellent le grand ghetto. Et c'est la plus grande ville de baraques africaines dans l'Italie. Mais dans le sud d'Italie, il y a vraiment un pays de ghettos pour la main-d'œuvre agricole. Et dans les derniers mois, on a eu au moins deux ouvriers agricoles qui sont morts dans ces ghettos. Un à Capobello di Mazara, qui est en Sicilie, où il y a un ghetto là-bas aussi, avec 800 ouvriers qui vont là-bas pour recueillir les olives. Et il est mort parce qu'on a eu un accident avec la cuisine de camp avec laquelle il cuisinait. Et un autre à Rosarno, il y a deux semaines, qui est mort pour le froid parce qu'il dormait dans sa voiture. Il avait été refusé à Rosarno. La mairie de San Ferdinando, qui est une mairie un peu proche de Rosarno, gère un campement pour accueillir les migrants qui vont là-bas pour recueillir les oranges. Et il n'avait pas eu accès à ce campement, et il dormait dans sa voiture et il est mort pour le froid. Et donc les morts africains du sud de l'Italie montrent la même ségrégation des migrants chinois qui sont morts à Prato dans le bâtiment de l'usine. Et la chose intéressante, selon moi, c'est le fait que sur les journaux italiens, pour les institutions italiennes, la ségrégation, c'est dans quelque manière voulu par les migrants même. Parce qu'on a dit après la tragédie de Prato, ce sont les Chinois qui s'organisent comme ça. Ce sont les Chinois qui exploitent les autres Chinois. Ce n'est pas un problème de marché du travail italien, ce n'est pas un problème de loi Bossi-Fini, ce n'est pas un problème du système de la mode italienne qui demande du travail exploité. Parce que les Chinois, c'est bien connu le fait que les Chinois travaillent pour les entrepreneurs italiens, pour la mode italienne. Et la même chose c'est dans le sud de l'Italie, parce que les migrants qui vont là-bas pour recueillir les tomates, ils travaillent pour les pelati italiens. Ils sont très connus dans le monde, ils sont typiquement
mais on dit que ce sont les ouvriers agricoles étrangers qui veulent s'organiser avec les caporali. Les caporalato existent au sud de l'Italie depuis un siècle, mais ce sont des migrants qui vont s'organiser avec les caporali. Donc ce n'est pas notre faute, mais c'est. Ou à Rosarno, ils vont produire pour la Coca-Cola, pour la Fanta, pour les sucres d'orange. Et donc, d'un côté, il y a une ségrégation qui est très structurelle, qui est structurelle pour le marché du travail et structurelle pour les filières productives. Et de l'autre côté, on dit qu'ils sont des communautés qui s'organisent comme ça. Et le fait, c'est que l'Italie, à cause de la Bossi-Fini, quand les immigrés arrivent de Lampedusa et ils arrivent ils ont une grande probabilité d'aller vivre dans des ghettos, dans le sud de l'Italie ou dans le nord. L'Italie est devenue un pays de ghettos où on peut mourir pas seulement sur le travail, parce que les conditions de travail sont aussi dures avec les conditions de vie, comme les conditions de vie, mais on peut mourir pas seulement pour les conditions de travail, mais aussi pour les conditions de vie qu'on doit accepter pour pouvoir travailler dans les campagnes, dans les usines. Et voilà, nous fermons qui. Et alors, moi, je vais peut-être élargir d'une manière globale le phénomène et dire, je suis paysan et membre donc de la Confédération Paysanne, qui est un syndicat agricole de petits paysans, qui est lui-même membre d'une organisation internationale qu'on appelle la Via Campesina, et qui est qui rassemble des organisations de travailleurs paysans, de paysans, d'aborigènes. Des gens qui travaillent la terre. Nous, par rapport à cette question migratoire, ça fait quelques temps qu'on y réfléchit, il y a une dizaine d'années, en disant qu'on a quand même un modèle agricole dans le monde, essentiellement, dans le monde, parce qu'aujourd'hui le phénomène s'élargit, qui détruit les paysanneries, qui envoie sur les routes de migration les paysans qui n'ont plus leur terre et qui vont se retrouver à travailler ensuite effectivement en Italie, dans les champs de tomates, dans les vignes, dans les vergers, ou en Espagne à Almeria, ou en Italie dans les abattoirs par exemple, ou en France aussi, dans les abattoirs également, dans les productions maraîchères, etc. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, ce qu'on met en avant, et enfin, peut-être que tu pourras enfin, aussi nous dire, est-ce que tu sais d'où venaient justement ces personnes-là, de quel milieu, est-ce qu'eux étaient également des paysans, mais on travaille donc en envoyant, comme a dit Simona, des jeunes volontaires sur 4 mois, 5 ou 6 ou 1 an dans ces fameux pays-là. Et donc depuis 6 ans, on a travaillé en collaboration avec une association de petits paysans qui s'appelle l'Association Rurale Italienne, qui est sur l'ensemble du pays, semble-t-il. Et donc, cette personne-là qu'on envoie sur cette durée-là, elle infiltre un petit peu le réseau des migrants et de ceux qui les accompagnent. Parce que ça, c'est un point à soulever aussi, c'est que les migrants ne sont pas complètement isolés, et tant mieux, parce qu'il y a des acteurs de la société civile, des comités antiracistes, des comités de soutien, ce qu'on appelle les brigades de solidarité. Et puis cette association Harry qui leur donne du soutien, quoi. Et donc on recueille un certain nombre de témoignages et ensuite une délégation comme nous, parce que notre idée à nous c'est de développer un réseau de lutte européen, on fait des missions avec des paysans français, des paysans espagnols,
des paysans italiens également, voilà, qui se retrouvent sur ce pays-là. Et on va discuter, on rentre dans des discussions avec les migrants. Et il y a à peu près 60-70% de ces gens-là issus de l'Afrique subsaharienne, mais aussi des Bulgares, des Macédoniens, des Indiens, qui nous disent, ben oui, nous on était on était petits paysans, on était sur des terres, et puis ben, parce que on n'avait pas les moyens de s'organiser, parce que la politique agricole commune pour les pays de l'Est, par exemple, ne leur ont pas permis de se développer, de s'organiser, de pouvoir accéder à un marché organisé, ou parce que en Afrique, il y a des investisseurs, soit des pays, soit des investisseurs privés qui ont négocié avec l'État des baux amphithéotiques pour développer une production et donc s'accaparer la terre. Voilà, donc nous, notre lutte, qu'elle soit au sein de la Via Campesina ou même à travers ce programme sur la migration, c'est de faire en sorte qu'on développe un réseau de lutte. Et ce qui peut se passer en Italie, à Rosarno, parce qu'on est fort de ce réseau de lutte-là, on en est informé ici en France et on peut en parler, on peut faire pression et on peut aller voir les députés européens. Et voilà, c'est pour élargir un petit peu sur ce qu'il est possible de faire et de comprendre bien le phénomène global. Quoique la migration, en même temps, on la refoule, mais en même temps, on en a besoin dans nos pays parce que c'est un réservoir de main-d'œuvre à bas prix, à bas coût, que les gens, bah, ils sont, enfin, ces migrants sont dans une situation de peur, de crainte de retourner au pays, parce que pour un Africain, retourner au pays, c'est un échec, quoi. C'est quelque chose de personnellement très dur à vivre, j'imagine. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent, quoi. Voilà, parce que ces gens-là sont dans la crainte, dans la peur. Ils sont complètement asservis au modèle de l'agriculture industrielle et des gens qui les exploitent. Il y a peut-être des réactions à la salle, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent ici, mais peut-être que avant. Je ne suis pas sûr exactement de l'origine de tous les protagonistes du film, mais je dois dire que la communauté érythréenne, la plupart est faite de gens urbains qui fuient et qui ont étudié aussi et qui fuient pour fuir. De leur service militaire obligatoire, c'est un militaire qui a un arrêté, et le service militaire, il n'y a pas une durée établie, mais tu dois travailler pour l'État, tu dois donner le service militaire pour l'État jusqu'à l'État a besoin de toi. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune connaissance de quel est le but de la fin de ton service militaire. Et ça, c'est pour les garçons et pour les femmes aussi. Mais de la communauté somalienne, il y a beaucoup plus de milieux plus bas que ceci. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par exemple, je ne sais pas. Mais la plupart de Somaliens n'arrivent pas directement de la Somalie, mais d'un arbre qui est, je ne sais pas si c'est la plus grande ville, mais une de la plus grande ville somalienne dans le monde. C'est un camp humanitaire et pour réfugiés somaliens qui sont fuis de la Somalie et qui ce camp est dans la frontière entre la Somalie et le Kenya, c'est dans le territoire kenyan. Et la plupart de
Somaliens qui cherchent d'arriver en Europe, pas de, de là. Et je ne sais pas s'il y a des paysans qui vivent dans un camp humanitaire, mais peut-être. Mais il faut dire, par exemple, que dans le sud d'Italie, Mimo peut dire mieux, que dans le sud d'Italie, par exemple, il y a beaucoup de Burkinabés qui travaillent dans l'agriculture et qui viennent de milieux ruraux, de milieux agricoles de Burkina et surtout de la région du sud de Burkina à la frontière avec le Ghana. Et moi, je voulais simplement ajouter qu'il y a une relation très, comme tu as dit, je voulais confirmer qu'il y a une relation très, très proche, très forte entre la condition illégale et l'exploitation. Parce que c'est la condition de n'avoir pas les documents qui te mis dans une condition de chantage, parce que tu n'as pas les droits et les moyens pour te défendre, parce que tu es illégal. Alors tu peux être exploité et tu ne peux pas dénoncer quelqu'un qui est en train de t'exploiter parce que tu es légal, tu n'as pas le droit de t'appeler à la loi si tu es contre la loi. Et le terme illégal. Maintenant, il y a de nouvelles lois qui donnent la possibilité de le faire en Italie, mais ne sont pas très claires, ça ne marche pas très bien, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, moi je pense qu'il faut bien réfléchir sur la définition de l'illégal, exactement comme sur la définition sur la rhétorique de trafic d'êtres humains. Parce que ce sont des définitions qui travaillent très bien dans l'opinion publique, hein, et qui ont construit une culturelle. Un sens commun, hein, qui ont basé les décisions politiques sur l'immigration dans les derniers mois en Europe. Et, parce que si on appelle les gens qui viennent ici pour chercher du travail et qui finalement trouvent du travail, parce que comme tu dis, l'économie européenne a besoin, a eu besoin et a toujours besoin de main d'œuvre. Mais si on l'appelle illégal, hein, alors on toujours tout de suite notre position c'est d'avoir peur de quelqu'un qui est illégal, qui est contre la loi qu'on a établie dans notre pays. Et il y a des autres définitions qui sont encore plus dures comme clandestin ou. Et c'est la même chose que de la définition du trafic d'êtres humains. Ça marche très bien pour transférer la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Je suis très marquée sur la ligne des rhétoriques et sur les effets de leur construction. À partir de la seconde moitié des années 90 en Europe, il y a eu une confusion entre migrants économiques et demandeurs d'asile politique. Le mot de demandeur d'asile politique n'existait pas avant, il était juste un réfugié politique. Et les demandeurs d'asile sont devenus des migrants économiques soupçonnés d'être comme tels. Et ensuite, il faut rappeler aussi que parmi les migrants, beaucoup deviennent irréguliers et qui ne sont pas forcément au moment d'arriver. Ce qui contribue à certaines confusions et à une soumission à un défaut d'exploitation. Et une autre forme de rhétorique que je voulais évoquer avec vous par rapport à l'Italie, et qui m'a toujours étonnée depuis quelques années, c'est la manière dont ces migrants, dans l'agriculture notamment, mais pas uniquement, sont catégorisés en tant qu'esclaves en Italie, soumis à telle et telle forme d'exploitation, ce qui ne remet pas en question l'exploitation. Et ce qui m'étonne, c'est que ce sont précisément ces migrants qui sont très souvent porteurs de formes de mobilisation
qui peuvent être les mobilisations avec des grèves, parfois avec le soutien de la CGT italienne, ou qui peuvent être associées à des formes de mobilisation ordinaire toutes petites, refuser les tentes que le ministère a données à Saluzzo dans le Piémont à côté du royaume du slow food italien, pour accepter en revanche des formes de bidonville avec du carton qui réchauffe mieux que les tentes du ministère. Mais par ailleurs, il y a eu aussi des formes de mobilisation très fortes qui ont donné lieu à des contrats beaucoup plus intéressants chez IKEA, dont tout le monde sait qu'en Europe, pratique la discrimination, qui a reçu des procès officiellement qui ont eu des effets très clairs. Et ces migrants ont su se mobiliser et avoir des effets possibles, ils ont su porter des revendications publiques, alors que les Italiens ne savent pas forcément le faire. Et en dépit de ça, ils deviennent des esclaves publiquement. Ce qui me paraît problématique. Donc, est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus? Comment voilà. On a 5 minutes. Et moi, je suis d'accord avec ce que Simone a dit, parce qu'il y a la rhétorique du nouveau esclave, les immigrés sont les nouveaux esclaves. Je suis d'accord que c'est une autre manière pour. Ce n'est pas nous qui l'exploitent, non, qui l'exploitons. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais c'est l'effet c'est l'effet de nos politiques migratoires. Et lien entre les demandeurs d'asile et l'agriculture du sud d'Italie, par exemple, c'est le fait qu'on se sait, on ne sait pas pourquoi, mais les grands centres d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, hors de Sicilie, sont dans les milieux des régions où on a besoin de main-d'œuvre pour la récolte. Les plus grands sont dans les puits. Dans les champs de tomates de Foggia, il y a un camp d'accueil de Borgo Mezzanone. Et comme en Italie, la réponse pour de la demande d'asile politique, il faut, pour la première fois, si, pour 8 mois, après, on peut faire des cours, on peut demander encore, les immigrés qui demandent l'asile politique, qui arrivent à la Lampedusa, qui demandent l'asile politique, sont amenés dans les centres d'accueil, qui sortent. Du centre d'accueil, il devient grand économique exploité dans les grands ghettos. Il y en a dans les puits, dans la Calabrie, en Sicilie. Et ça, c'est sur les fonds. La chose qui est mise avant sur les paysans, sur les migrants, c'est très clair pour les migrants qui sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, pour ce que j'ai vu récemment, une recherche sur les migrants du Ghana, qui sont des pêcheurs, et à cause des accords entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont permis aux Européens d'exploiter la pêche de la mer de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de pêcheurs ont perdu leur travail parce qu'ils n'ont plus la possibilité de faire la pêche traditionnelle qu'ils faisaient avant et pas pour l'Italie. Et la chose intéressante, c'est que tu disais à propos des passeurs, c'est le fait que beaucoup d'entre eux, comme ils sont des pêcheurs, ils savent comment on peut conduire un bateau, ils ne doivent pas payer. Le voyage dans la Méditerranée parce que les passeurs donnent le bateau à ces pêcheurs, mais beaucoup d'entre eux ils sont morts dans la Méditerranée parce que c'est très difficile quand même de faire le voyage. Mais c'est la relation entre les politiques européennes de libéralisation des marchés internationaux et la migration, c'est très clair. Alors, je suis vraiment désolé, on a eu une mauvaise information, c'est-à-dire qu'on nous a dit que la salle était jusqu'à 8h20, mais apparemment ce n'était pas vrai.
Donc on est obligé de, voilà, de quitter la salle. Je vous rappelle tout simplement que la réflexion sur la question de la migration, nous allons la poursuivre en tant qu'association Café Italia Off. Au mois de février, en accueillant une metteur en scène dramaturge qui s'appelle Lina Prose, qui est auteur d'une pièce, d'une trilogie, justement sur Lampedusa, et qui sera artiste en résidence à l'Université de Strasbourg et avec laquelle nous ferons des interventions aussi dans le cadre de Café Italia Off et pour le rôle des chars. Voilà. Donc je vous invite à participer. Ça sera une manière pour encore réfléchir sur le point de vue du migrant. Et je suis vraiment désolé de couper la parole à des personnes qui ont fait des heures de voyage pour venir nous parler, mais malheureusement, on doit absolument rendre la salle, sinon je me fais écorcher. Merci. Merci d'être venu.